Bonjour, ici Julie Blacomeau pour le Bureau du Boss, un partage sur le quotidien des leaders du milieu des affaires. Aujourd'hui, Mme Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal, nous ouvre la porte de son bureau de l'avenue du Musée à Montréal. On entre dans le Bureau du Boss. Madame Nathalie Bondil, de nous recevoir dans votre bureau. Merci. Vous êtes ici chez vous. Peut-être pourriez-vous nous faire une mini-visite guidée de votre bureau. C'est pas un bureau où je suis tant que ça. Mon bureau, c'est vraiment plus à la maison, parce que je me lève très, très tôt et j'ai vraiment mon espace de concentration, de livres, de lecture, de réflexion. Ici, c'est davantage un lieu de vie, finalement, pour les réunions, pour les rencontres. Dans mon esprit, quand je suis au musée, je suis à la disposition des équipes et je suis là pour rencontrer des gens. Alors, c'est un espace qui est très ouvert. Je dis, c'est open bar. Alors ici, il y a une sélection de photographies qui sont issues directement des films faits par Alfred Hitchcock. C'était un de mes premiers grands projets au musée. J'aime pas trop personnaliser à l'excès les lieux. Je trouve d'ailleurs qu'il y a trop de personnalisation dans le cadre des institutions, dans le cadre même de la façon de considérer le leadership, parce qu'on oublie beaucoup qu'il y a des équipes et je trouve ça un petit peu dangereux. Vous avez ici donc une sélection des cartons d'invitation que nous avons fait au musée. J'adore le graphisme et je suis passionnée par tout ce qui est création visuelle au musée. Si vous le voulez bien, nous allons débuter le questionnaire croustillant. Oui. Plus jeune, que rêviez-vous de devenir? Exploratrice, cosmonaute, hôtesse de l'air. Je voulais voyager. Puis je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas tellement douée dans les sciences ni dans les mathématiques et que mes ambitions intergalactiques étaient probablement très exagérées. Et qui vous inspire? Tellement de gens au quotidien, pas forcément des gens connus d'ailleurs, des métiers, des gens malades, des gens handicapés. Je suis très très impressionnée par justement ces prouesses au quotidien, dont on ne parle pas assez d'ailleurs, je crois. Qu'est-ce que vous aimez le moins de votre travail? Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va penser les choses positivement. En fait, j'oscille toujours entre l'excitation, l'adrénaline et l'anxiété. Donc, souvent, je dis, le résumé d'une de mes journées, c'est que le matin, j'ai envie d'explorer le monde et le soir, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dans ma tombe. Et ça serait parfait et je me sentirais très bien. Je dirais merci beaucoup, le show était fantastique, au revoir. Et ça serait parfait. Une journée typique de travail. Je me lève très tôt, très 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 tôt, mais vraiment très tôt. Et là, je ne fais pas le sport que j'aimerais faire. Je suis entourée de mes quatre chats, engoncés dans une robe de chambre innommable. Et je travaille, je suis dans le calme. Et je passe ainsi ma première journée. Généralement, c'est 7 heures de travail dans le calme, dans le silence. Et ensuite arrive la seconde journée ici, où là, il faut être au contact des équipes. Mon naturel ne me porte pas vraiment vers les sorties. Je le fais parce que ça fait partie du métier, mais le soir, je suis vraiment une loque. Je suis vraiment lamentable. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de vous et qui pourrait nous surprendre? Je suis très solitaire, en fait. J'aime beaucoup la solitude. Merci beaucoup, Madame Bondil, de nous avoir reçus dans votre bureau. Merci.